Amis du soir, bonsoir, me revoilà. Donc je m'excuse, hein, j'ai été absente 2 jours. Ouais, j'étais pas absente de chez moi, hein, non. Absente de ma chaîne, voilà. J'ai eu 2 jours un peu plus surchargés. Et le soir, j'étais trop fatiguée pour faire des vidéos, voilà. Donc aujourd'hui, on est le 20... 26, ouais c'est ça, on est le 26 aujourd'hui. On est le 26 janvier. Donc ce matin, malgré qu'il y avait un beau brouillard et puis un brouillard pissou, je suis quand même allée à Cholet. Eh oui. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé au salon de Cholet qui est actuellement, donc ça s'appelle Fil Croisé. Ça s'appelle Fil Croisé, il n'y a plus personne, non? Donc, boum, laisse ça de ci. Donc c'est le salon qui a lieu en ce moment, donc du jeudi, aujourd'hui, bah là ce soir, voilà, c'est trop tard. Mais il y a encore demain, donc vendredi, samedi et dimanche. Il reste encore 3 jours pour aller au salon de Cholet. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le salon de Cholet? Alors il n'y a pas beaucoup de scrap, ça c'est sûr, c'est vrai, hein, il n'y a pas beaucoup de scrap. Moi j'ai trouvé des petites bricoles. J'étais un peu déçue de ne pas voir la dame qui vendait les Gorgeous, mais je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas vu. Alors soit elle n'y est pas, soit je suis passée, il me semble pourtant avoir fait toutes les allées, mais bon. Après c'est pas grave, je vais pas faire comme l'année dernière, hein. Je vais pas retourner demain ou après-demain. J'y étais aujourd'hui, j'étais raisonnable, donc je vais pas y retourner. Donc moi j'ai fait des achats à 1001 créations. J'ai fait des achats à d'autres personnes aussi. Donc je vais vous montrer ça, hein. Donc je vous fais voir, boum. Ça c'est le salon. Là, bah, c'est les personnes présentes sur le salon. Il y a beaucoup de patchwork, de personnes qui font du patchwork et qui vendent des tissus, tout ça. Il y a beaucoup de ça. Il y a aussi un petit peu de broderie, mais pas tant que ça. J'ai pas trouvé ce que je cherchais, de toute façon, au niveau broderie. Alors, c'est pas moi, je brode pas. C'était pour demander à ma cousine... de me broder quelque chose, donc j'avais dit que je fournirais le tissu et puis enfin c'est du lin et puis la couleur que j'aimerais bien. Moi je pense que je trouverais ça dans un magasin ailleurs, parce que là sur le salon non, j'ai pas trouvé. Bon allez, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté au salon. Donc je vais commencer par... Alors, il y a quelque chose que je peux pas vous montrer parce que c'est sur commande, je l'aurai que dans 3 semaines. Je vais vous montrer ce que j'ai à l'heure actuelle. Alors là, la dame, elle m'a pas donné sa petite carte. Ah, elle m'a pas donné sa petite carte. Alors attendez, je vais essayer de retrouver où est-ce qu'elle s'est placée. Alors, je me demande si elle n'était pas en C7. Ou elle devait être en C7. Alors, en C7, c'est qui? Qui c'est qui est en C7? Qui c'est qui était en C7? C7. Pas sucette, hein. C'est pas des sucettes. Alors, c'est une mercerie... Donc je pense que ça doit être ça. Fil à soso. Mercerie tricot crochet. Quoique j'ai des doutes. Hein. J'ai des doutes. C'est dommage qu'elle m'a pas donné sa petite carte. J'ai des doutes. Je vais préférer ne rien dire. Parce que là j'ai vraiment des doutes. Parce que là ça c'était le monsieur... Là, c'était les lampes, je me rappelle. Ça, c'était les lampes ici. À voir, c'était dans l'allée D.
Non, c'est pas dans la LED. Qu'est-ce qu'il y a le marqué là? B8. Qui c'est qui était en B8? Ah oui, voilà, je cherchais. J'ai vu des dames qui faisaient de la dentelle, mais la dentelle avec les trucs qu'on passe les uns après les autres, là. La vraie dentelle. Ça, c'est joli à voir. Il y avait surtout du patchwork. Hein. Du patchwork. Alors, B8, est-ce que c'est B8? Il y avait deux stands avec des machines à coudre. Pam 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 pam. Et puis tout ce qui était patchwork, tout ça, il y avait énormément de monde à ces stands là. Alors ça, c'était la laine mohair, donc c'était, il y avait la laine mohair là. Je vais voir, c'était un. Je cherche. Ah, bah oui, voilà, c'est à l'impulsion, point de croix, breloque et accessoires, lunettes, loupe. Ah, il y avait des breloques. Ah, voilà, alors je sais pas si c'est elle qui m'a vendu les breloques, mais en tout cas, il y avait deux stands avec des breloques. J'ai regardé au premier stand, il n'y avait rien qui m'intéressait dans le premier stand. J'ai regardé au deuxième stand qui était plus loin, qui était dans l'allée des créateurs. Donc c'est dans cette allée là où j'ai trouvé des breloques. Alors je vais vous montrer les breloques. Je vais vous montrer. C'est dommage qu'elle m'a pas laissé son petit papier. Alors j'ai un tampon, hein, je peux retourner. Hein. Le tampon est, parce que là, l'entrée c'est 5 euros. Le tampon est valable pendant les 4 jours là. Mais bon, je pense pas. L'année dernière j'étais retournée, mais là franchement. Donc j'ai pris une petite tasse avec sa soucoupe. Alors ça, je pense que c'est plus genre Alice au pays des merveilles. J'ai pris ça. Il y a des choses que j'ai pris vraiment dans le thème. La petite bouilloire comme ça. Enfin, c'est pas une bouilloire. Je me dis en bijou d'album, c'est peut-être pas mal ça. Hein? J'ai trouvé. Enfin, j'ai acheté surtout. J'ai acheté un gros truc comme ça. Un gros mousqueton comme ça, décoratif. Aïe, il me pince. Donc, ça sera pour mettre le bijou d'album. Alors, j'ai trouvé le réveil. Essayez de vous faire voir comme ça, le réveil comme ça. Je me suis dit, ça c'est peut-être pas mal aussi pour l'album Alice. J'ai pris deux petites clés, alors c'est les deux mêmes. J'ai pris deux petites clés comme ça. Voilà. Le mousqueton, je vous l'ai montré. J'ai pris deux mousquetons comme ça parce que j'en ai pas des gros comme ça, j'ai que des petits. Et puis deux en couleur argent, voilà. Comme ça, si je veux faire un porte-clés ou autre chose. Donc les petites clés, je vous les ai montrées. J'ai pris cette petite cage à oiseaux comme ça parce que ça me plaisait bien. Alors j'en ai pris deux. Deux cages à oiseaux. Pourquoi pas? Je sais pas ce que je vais en faire, mais bon. J'ai pris ça. Là, j'ai pris le château. Ah, c'est un château de sable, hein, parce qu'il y a la pelle. Il y a la pelle, il y a... Voilà, mais bon, est-ce que ça peut faire Harry Potter, peut-être? Je sais pas. Hein. J'ai pris le miroir. Miroir comme ça. Alors ça, c'est pour... je pense que je mettrai une image Alice au Pays des Merveilles, dans le fond. Et puis ça pourrait être
Enfin, c'est une idée, hein, je sais pas si c'est bien. Voilà. J'ai pris un petit parapluie comme ça. Donc ça, c'est pareil, je sais pas. Je sais pas si je le mettrai ou pas, hein, j'en sais rien. J'ai pris la petite fille. J'ai pris une petite fille comme ça, qui tient son doudou. Ça, c'est parce que c'était rigolo, un tire-bouchon. Ça me faisait rire, je dis tiens, je vais prendre un tire-bouchon. Et j'ai pris deux paires de lunettes. Alors ça sera plus pour l'album. Donc c'est pareil, hein, c'est une breloque paire de lunettes. Je me suis dit ça pour Harry Potter. Ça serait peut-être pas mal, alors j'en ai pris deux. Donc voilà, alors bah, malheureusement je peux pas vous dire qui c'est parce que elle m'a pas laissé sa... Elle m'a pas laissé son nom ni... Enfin, elle m'a pas laissé sa petite carte de visite. Peut-être qu'elle avait pas de carte de visite, hein. C'est possible. Donc ça, c'est la première personne à qui j'ai acheté des choses. Et puis ensuite, bah, j'ai continué de me balader. Vraiment, tout ce qui est patchwork, broderie, tout ça, il y avait tellement de monde. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à me garer parce que le parking était plein. Je l'ai même dit à l'entrée, j'ai dit, bah, non, c'est pas facile de venir cette année chez vous, hein. Et bah, c'est, en fait, ça s'explique du fait qu'aujourd'hui, il y avait... Alors, je sais pas si c'est qu'aujourd'hui ou si c'est sur plusieurs jours. En tout cas, aujourd'hui, il y avait des personnes qui passaient un concours d'agent de maîtrise. Donc, c'est pour ça qu'il y avait plein de voitures partout, que le parking était plein. Parce qu'il y avait tout un concours agent de maîtrise dans la salle d'à côté. Alors, bon, moi, j'espère que la plupart ont reçu leur... Je sais pas, ils vont pas le savoir tout de suite. Hein. Mais bon, c'était un concours agent de maîtrise. De maîtrise de quoi? Je n'en sais rien. Parce que agent de maîtrise, bah, ça correspond à quoi? Je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, non. Donc, j'ai filé mon chemin. Enfin, l'aller, j'ai continué. Je me promène. Puis, j'ai vu un stand avec des jolies petites choses en bois. Alors, je vais vous faire voir. Alors là, ce sont surtout ce sont des boutons en bois. C'est un créateur, c'est français. Hein. Et j'ai la petite carte. Elle m'a l'air un petit peu tordue. Je vous montre la petite carte. Je pense qu'ils ont un site internet, oui c'est ça. Le site internet www.al63.fr. Auvergne laser, ça veut dire. Créer des idées pour vos passions. Créateur fabricant. Donc c'est dans le 63, Saint-Germain-l'Herme. Ils sont sur Facebook aussi. Donc... Alors ce sont des boutons, mais moi je vais les utiliser dans mes albums photos. J'ai pris des petites barrières comme ça, donc j'en ai pris deux. J'ai pris deux barrières comme ça, ça c'est plus pour l'album photo les chevaux là pour Justine. Donc là j'ai trouvé celle-ci, elle était très jolie. Il y a le petit oiseau, le nichoir et puis il y a le petit chat. Je trouvais ça trop rigolo. Ensuite, j'ai pris la grosse horloge comme ceci. Alors ça peut être sur la couverture de l'album à Alice que je peux mettre ça. J'en ai pris une un peu plus petite. Parce que je ne savais pas me décider. Donc je dis, bah, j'en prends une un peu plus petite. J'ai pris une théière comme ceci. Donc c'est très joli ce qu'ils font. Hein. C'est... découpé au laser. Donc ça c'est plutôt Alice. J'ai pris un bouton petit lapin comme ça, un autre comme ça. Alors ça peut être mis dans les pages, ça peut même faire peut-être servir d'accroche pour fermer une page. Ensuite, pour l'album de Justine,
J'ai pris un cheval comme ça. Voilà. J'ai pris un cheval. Donc là, c'est le cheval qui est cabré. En fait, je ne voulais pas montrer comme il faut. Cheval cabré, et puis là, c'est le cheval comme ça. Donc ça peut être utilisé aussi dans les pages. Là, j'ai la tête de cheval en blanc, comme ça. J'ai la même en nature. Naturelle. Voilà. J'ai le fer à cheval avec la tête de cheval. Comme ça. Et je l'ai pris aussi en blanc. Voilà, je verrai ce qui va le mieux. J'ai pris des petites barrières. C'était mignonne. J'en ai pris deux blanches comme ceci. Elles sont mignonnes. Elles sont toutes petites. En blanc. J'ai pris en couleur naturelle. Naturelle. Voilà. Est-ce que je vous ai là? J'ai pris une petite maison où il y a marqué fait main. Voilà. Et puis j'ai pris juste la monture de lunettes comme ça pour mettre aussi dans l'album de Harry Potter. Non, là on voit rien. Est-ce que vous voyez bien? C'est toute petite. Toute petite les lunettes. Que j'aille pas les perdre. J'ai déjà perdu quelque chose dans ma voiture. Et puis tout d'un coup la dame elle me dit, bah attendez, si j'ai aussi autre chose qui peut faire Alice. Ce sont les cartes à jouer. Donc c'est des boutons en bois. Hein. Mais il y a les quatre cartes, là, l'as de cœur, l'as de pique, carreau et le trèfle. Donc ça, ça peut aussi être utilisé. Sur l'album pour faire une décoration sur... sur l'album, sur la tranche d'album. Donc j'ai trouvé ça trop trop joli. Après elle avait pas la petite fille Alice, elle l'avait pas. Après voilà, hein, c'est comme ça. Donc normalement je devais acheter du fil DMC métallique, mais bah je voyais énormément de tissus, mais je voyais pas leur fil. Il n'y a qu'une dame qui avait mais c'était des pelotes. Alors je me suis dit, si j'achète une pelote, puis que c'est pas ça. Donc moi, j'y connais rien. Donc je vais revoir ça avec ma cousine. Sinon, elle fera avec les couleurs qu'elle a déjà. Hein. Et puis donc, avant de partir, ben, j'ai fait une commande. Ouais, je vais peut-être le trouver à qui j'ai fait la commande. Donc c'était une dame qui tenait un stand, le stand de Stampin' Up, ça doit être le F4. Ça doit être le F4 la dame. Alors F4. F comme Formule 1. Dijon. F4. Ouais, c'est Mighty Scrap. Tout pour le scrap. Donc là, je pense que c'est à cette personne-là que j'ai commandé le massicot. Le massicot de Stampin' Up. Avec la règle en centimètres et la... en centimètres et et un lot de lames en plus. Voilà. Et donc bon bah il y avait un monsieur qui crée des tampons sur place. Je peux faire le tampon à votre nom, à votre adresse et nanana. Bah oui, merci, mais je n'en veux pas. J'ai déjà ce qu'il me faut. Après c'est leur boulot, hein, ils essayent d'appâter le client comme on dit. Ah, c'est dommage que je trouve pas le nom de la personne qui m'a vendu les breloques. Parce qu'il y avait deux stands. Il y avait un grand stand
un grand stand de breloques ici. Et puis l'autre, il était un peu plus loin. C'était peut-être le C9, hein. C'était peut-être le C9, ça se peut. Ah, le C9, le C9. Je sais même pas qu'il est là-dedans. Bon, j'ai dépensé quand même 100 euros, quoi. Mais c'est mieux que l'année dernière où j'avais dépensé 300 euros. Là, j'ai dépensé que 100 euros, donc ça va. Ça va, je suis revenu avec des sous sur moi, c'est bien. Le C9, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Ah si, c'est ça, c'est l'impulsion. Point de croix, breloque. Et accessoires, lunettes, loupe. Ouais, c'est ça la dame qui m'a vendu les breloques. Très très gentille. Ils sont tous gentils, hein. Puis à mille et une créations, j'ai pris donc ce ruban-là parce que je l'ai trouvé trop joli. Alors ça, c'est 2 euros. 2 euros, il y a 20... Alors il y a 50 mètres. Et c'est du 2 cm de large. C'est la couleur, j'ai flashé sur la couleur. Ensuite, j'ai pris un petit moule comme ça, qui était à 5 euros. Donc c'est un moule pour faire des boucles d'oreilles en résine. En résine ou en pâte fimo, voilà. J'ai pris un petit moule qui fait des petites feuilles, pour faire des petites feuilles, 1 euro. Voilà, c'était histoire d'acheter, quoi. Et puis j'ai pris un moule comme ça, où il y a pour faire des choses, un moule à résine comme ça. J'ai pris ça, c'est tout ce que j'ai pris chez lui, ouais. Ouais, c'est tout ce que j'ai pris chez ce monsieur. Donc j'en avais pour 1, 2, 2 et 2, 4, 5 et 4, 9, ouais, c'est ça, c'est 9 euros, c'est bon, c'est ça. Je n'ai rien oublié. Donc je vais remettre mes petites affaires là, pour que je les perde. Tous mes petits boutons. Donc ouais, c'est sympa, hein. Si vous êtes dans la région et puis que vous avez envie de faire un tour, bah, n'hésitez pas à y aller, hein. N'hésitez pas à y aller. Moi, j'en regrette pas, hein. J'ai bien, bien, bien fait d'y aller. J'ai trouvé des petits trucs. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon tour à Cholet. Et puis, oh, je ramasserai ça après. Au retour, je me suis arrêtée à Action. Hi, bah ouais, à Action, je suis passée par Chemillé. Et à Chemillé, bah, je me suis arrêtée à Action. Donc là, c'est pareil, j'ai pas pris beaucoup de choses. Ah non, j'ai pris juste un petit sac. Donc j'ai pris des gourmandises. J'ai pris des gourmandises. J'ai pris des gourmandises. Et en loisirs créatifs, j'ai pris que les. Hop là. Alors, je vais commencer par ce qui est là. Du sopalin. Du sopalin. J'ai pris, voilà, 2 rouleaux de sopalin. Il était à 1 euro et des brouettes. Parce que vu que bah, le ticket il est sur le téléphone, puis le téléphone il est à recharger. Donc je ne vais pas vous dire les prix. Ben non. Dans le rayon Pâques. Alors c'est Pâques et puis il y a un petit peu la fête des amoureux là, Saint-Valentin. Donc c'est des chamallows en forme de cœur. Et hop, encore une cochonnerie à manger. Ouh, trop bien! J'ai pris spécial M&M, spécial Pâques, édition limitée. Alors ils mettent ça dans le rayon Pâques, mais bon.
Ouais, il a des oreilles, hein, il a des oreilles de Pâques. Des éditions limitées. Moi, je pourrais pas dire. Je crois que c'est autour de 2-3 euros. Pas loin de 3 euros quand même. J'ai repris Galak parce qu'il est bon. Ça, c'est moins de 2 euros. En promotion à 1,39€, ça je m'en rappelle. C'est pour mettre dans la plastifieuse. Donc j'en ai pris deux paquets. Comme ça, j'aurai de quoi faire. Pour faire mes rangements de dalles. J'ai pris des sacs poupou. Bah ouais, parce qu'il faut mettre des sacs dans la poubelle. Bah oui. Des sacs dans la poubelle. Là. J'aime bien ceux-là. Ils rentrent bien dans ma poubelle. Ils sont de la bonne taille. Et en plus, ils sentent la lavande. Donc ils sont bien. Donc en loisirs créatifs, j'ai juste pris ça qui est arrivé, c'est nouveau. C'est boîte à musique à monter. Donc là j'ai pris le carrousel. Il n'y a que deux modèles apparemment. Enfin en tout cas dans le magasin, il y avait ce modèle là et puis le carrousel et puis le. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là qui fait de la musique. C'est, dans le temps, c'était c'est pour un xylophone, c'est un machin phone, ça finit par phone, c'est un truc phone. C'est un truc phone, on mettait un disque et puis ça faisait. Un électrophone, c'est même pas un électrophone. With music, yes. Spins around, spins around. Pas comprendre. Donc c'est à monter, à plus qu'à. Alors si c'est comme les boîtes que j'ai achetées l'année dernière que j'ai toujours pas monté, bon, faut garder espoir, hein, ça se montrera un jour. Donc je vais mettre ça où? Je n'en sais rien. Donc voilà mon petit tour d'aujourd'hui qui était mon petit tour à Cholet en passant au retour par Chemillé. Donc si vous êtes du coin, si vous voulez passer un moment à l'abri, vous avez le salon jusqu'à dimanche. Donc ça ouvre. Il y a des horaires là-dessus. Ah, y a-t-il des horaires? Et puis il y a un monsieur qui est à l'entrée dans son camion. Et si vous voulez faire affûter vos ciseaux, couteaux et autres petites choses, il est là pour ça. Il y a même les dates pour l'année prochaine. Ah, c'est ouvert de 10h à 18h, sauf le dimanche, c'est fermé à 17h30. Donc demain, 10h-18h, samedi, 10h-18h et dimanche, 10h-17h30 pour le salon. On peut manger sur place et tout ça. Il y a une zone pique-nique, il y a une zone bar-restauration, il y a des sanitaires. Ben, c'est important hein, d'avoir des sanitaires. Bah ben, oui, c'est important. Bah ben, oui. Donc là. Ouais, en scrap, il n'y a pas grand chose. Hein. Mille et une création. Il y a beaucoup de tissus. Beaucoup de tissus, énormément de tissus. Là, au fil de lierre, là, c'était A7 et là, il y avait des toiles de lin. Ben oui, ben, fallait le savoir. Alors, il y a Asa et Easy, scrapbooking en F3. En F3, c'est les premières. Elles sont juste en premier, là. Elles sont où ça? Ici. L'entrée, on rentre ici. Tic 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 et après elles sont là. Le scrap il est juste là et puis en face un petit peu, mais il y a franchement j'étais déçue parce que au niveau scrap j'espérais voir la dame qui vendait les gorgeous l'année dernière, la dame de Belgique là, et ben je l'ai pas vue, je l'ai pas trouvée. Et ben non, je l'ai pas trouvée. Et ben non, alors soit elle est pas venue, parce que ça se peut hein, des fois. Peut-être qu'au dernier moment, bah, ils ont un empêchement, alors ils viennent pas. Machine à coudre, alors dehors c'est Bibi, c'est les ciseaux.
Brin de laine, brin de paille, ça c'est de la laine angora, alpaga, broderie. Pourtant, il y en a de la broderie de marquée, mais moi, il y avait tellement de monde que j'ai dit, bon, j'ai pris ce que j'avais besoin, je suis reparti. Les lampes et matériel, bah ça c'est pas mal, mais bah, ça coûte bonbon. Quand j'ai regardé le prix des lampes, il y avait des lampes avec des loupes. Il y en avait sur pied, il y en avait avec la pince. Mais la moins chère, elle était à 30, plus de 30 euros. Hein, 30, elle était pas à 40, elle était en 30, 30, 35, 39 euros, quelque chose comme ça. Mais bon, si on voulait deux loupes, enfin voilà. Alors, on mettait un peu plus cher, puis on avait deux lentilles. Ah oui, ils appellent ça des lentilles. Pour grossir les lentilles grossissantes. Fiche broderie ajourée, fil à fil resserré, lampe et matériel, kit soudure, colle pro et colle textile, kit broderie, fourniture. C'était en C11. Bijoux et création, créanat, en C6. En C6. C6, C2, C5, bah elle est où le C6 là-dedans? Ah ouais, ah d'accord. Bah ouais, tiens, comment ça va, comme ça? J'en étais où? J'en étais à C6. Tissu, B12, coloriage animation, E15. Établissement Bodin, c'est là, il y a les Bodins. Non, c'est pas les Bodins, c'est l'établissement Bodin, machine à coudre et à broder, Elna. Fil volant, tissu coton, patron patchwork, fourniture couture, textile, mercerie, zip, ruban, accessoires. Histoire en laine, feutrage, matériel et fourniture. Machine à coudre Juki. Broderie et tissu. Pourtant, il y en a de la broderie, mais j'ai pas vu de personne qui vendait des écheveaux en brillant, en métallique. J'en ai pourvu. Moi, j'ai mal regardé. Ben, de la hauteur de mon fauteuil, des fois, je vois pas tout. Hein. Parce qu'au départ, je marchais, puis à un moment donné, j'ai failli me casser la figure. Alors, j'ai dit, oh là là, t'as assez marché, maintenant, faut t'asseoir. Bon ben voilà, je vais pas vous dire, je vais pas lire la liste entière. Je vais vous faire plein de scrap bisous et puis je vous dis à très bientôt. Scrap bisous les copains, les copines, à bientôt.